Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler bien de l'Antichrist. Ce pasteur dont je vais vous montrer la vidéo explique très bien comment va être cette ère si difficile que l'arrivée de l'Antichrist. Je veux en parler aujourd'hui parce que celui qui va emmener l'Antichrist, c'est le faux prophète qui aujourd'hui existe sur Terre parce qu'il n'est d'autre que François Bergoglio, qui multiplie les actions pour détruire l'Église catholique avec beaucoup de finesse et de satanisme à la clé, c'est-à-dire beaucoup d'intelligence. Et il parle beaucoup de Dieu, mais en fait, quand on regarde de près ses actions, elles sont antichristiques. Et les temps sont sûrement proches, ou l'avènement de l'Antichrist, car vu l'âge de François, le temps presse. À vous de réfléchir sur cette vidéo qui a été faite en 2015. Ce que vous en pensez? Qui nous a été proposée, qui est l'Antéchrist dont il est question dans la Bible, dans 1 Jean chapitre 2 et le verset 18. Alors je vais lire avec vous ce texte-là que nous retrouvons dans l'épître de Jean et ça va comme ceci. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un Antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs Antéchrists. Si nous continuons la lecture dans le 4e chapitre et au 3e verset, nous lisons ceci. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui est maintenant déjà dans le monde. Alors ici, dans ces deux passages-là de l'Écriture, nous parlons de l'esprit de l'Antéchrist et la personne de l'Antéchrist. Ce que Jean nous enseigne, c'est que tout esprit ou toute personne qui ne confesse pas Jésus, bien, c'est l'esprit de l'Antéchrist, parce que lorsque celui-ci va venir à la fin des temps dans notre monde, il va renier l'existence de Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Alors, on parle des deux, on parle de la pensée ou l'esprit de l'Antéchrist et l'Antéchrist lui-même, la personne. Et selon la Bible, elle annonce qu'à la fin des temps, il y a un homme qui va émerger, dont la Bible appelle justement l'Antéchrist, et il va venir avec un deuxième personnage que la Bible appelle le faux prophète, et ensemble, ils vont établir une espèce de contrôle mondial au point de vue politique, au point de vue religieux et au point de vue économique. Ensemble, ils vont établir une espèce de système par lequel vous ne pourrez ni acheter, ni vendre ou faire du commerce sans être identifié à ce système-là qui sera établi à cette époque-là. Alors la Bible est claire là-dessus. Il y a une personne, un personnage, un individu qui va prendre le contrôle du monde dans les derniers jours. Et on peut l'appeler l'Antéchrist, ou on peut l'appeler le gouvernement mondial. Mais ces choses-là ont été prophétisées dans la parole de Dieu et elles sont sur le point de s'accomplir. Puisque nous savons par les nombreux signes qui nous ont été donnés dans la parole du Seigneur que nous sommes rendus à la fin, nous sommes la génération de la fin. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt pour chercher son Église. Quelque temps après, il va revenir avec ses saints, avec les rachetés, pour établir son royaume sur la terre. Alors nous savons que nous sommes très proches de la manifestation de cet homme-là, l'émergence de cet homme qui va, pendant 3 ans et demi, la dernière partie des 7 années de tribulation, contrôler le monde, encore une fois, au point de vue politique, au point de vue religieux et au point de vue économique. Nous apprenons par la parole de Dieu également que cet homme va émerger au Moyen-Orient et va confirmer une alliance pour une durée de 7 ans. Ça, c'est dans le livre de Daniel que nous retrouvons cela, dans le 9e chapitre et au verset 27, parlant de cet homme que la Bible appelle l'Antéchrist. Ça dit qu'il va confirmer une alliance. Dans nos versions françaises de la Bible, il est écrit « Il fera une solide alliance ». Mais dans le texte original, il est plutôt écrit « Il confirmera une alliance ». Bien sûr, il y a une grande différence entre « Il fera une alliance » et « Il confirmera une alliance ». Parce que bien sûr, pour
confirmer une alliance, il faut que déjà il y ait une alliance ou des alliances qui aient été proposées. Et c'est ce qu'il fera, il va confirmer une alliance entre Israël et plusieurs pays alentour d'Israël pour une durée de 7 ans, garantissant la paix et la sécurité au Moyen-Orient. Mais comme nous savons par la parole de Dieu, loin d'être un temps de paix et de sécurité, ce seront 7 années d'intenses tribulations pour la planète entière et qui vont nous conduire justement au retour physique, littéral, du Seigneur Jésus-Christ, alors que ses pieds se poseront sur le sommet de la montagne des Oliviers à la toute fin, et il établira son royaume sur cette terre. Pourquoi est-ce que cet homme soudainement sera capable de confirmer une alliance au Moyen-Orient, alors que jusqu'à présent, ça n'a pas été possible, malgré tous les efforts des présidents américains, malgré tout l'argent qui a été investi au Moyen-Orient pour tenter de négocier une paix entre Palestiniens et Israéliens et le monde arabe qui fait frontière autour du pays d'Israël, jamais on n'a réussi à avoir une entente de paix entre ces nations-là. Alors, pourquoi soudainement cet homme va réussir à confirmer une alliance garantissant la paix et la sécurité au Moyen-Orient? Bien, ce que nous voyons dans les Écritures, c'est vraiment que ce ne sera pas une alliance souhaitée qui sera signée à ce moment-là, mais c'est qu'on n'aura pas le choix de faire une entente, de créer une paix, de créer une sécurité à la suite d'une catastrophe vraiment qui va arriver au Moyen-Orient, et on n'aura pas le choix, pour éviter un chaos encore plus grand, de faire une entente, de signer quelque chose pour que ça ne dégénère pas davantage. Ce que nous réalisons, c'est que actuellement au Moyen-Orient, il y a évidemment beaucoup de pression, plus de pression aujourd'hui que jamais il n'en a eu auparavant. Et selon la parole de Dieu, tous les autres signes concernant Israël sont déjà accomplis. Puisque, bien sûr, Israël a été recréé en 1948, la vieille ville de Jérusalem a été libérée en 1967, les prophéties concernant les déserts qui devaient refleurir sont accomplies, les déserts sont vraiment refleuris en Israël. Les prophéties qui nous disaient que les villes seraient reconstruites, ben, c'est accompli aussi. On a vraiment des institutions comme l'Institut du Temple qui ont fabriqué tous les vases, tous les ustensiles, même les vêtements sacerdotaux, en prévision d'un troisième temple qui doit être construit sur l'esplanade du Temple à Jérusalem. Alors, tous ces signes-là sont accomplis. Et récemment, et particulièrement depuis ce qu'on a appelé le printemps arabe, il y a un positionnement de nations qui ressemble étrangement à certaines prophéties que nous retrouvons, par exemple, dans le psaume 83. Si vous lisez les premiers versets du psaume 83, vous allez reconnaître plusieurs nations qui sont présentement positionnées autour d'Israël et qui désirent plus que tout au monde d'anéantir Israël, comme ils le disent de façon populaire aujourd'hui, les pousser dans la mer et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Bien, dans le psaume 83, vous avez plusieurs de ces nations-là qui sont nommées par leurs anciens noms au temps biblique, qui disent exactement la même chose. On voudrait pousser Israël dans la mer et ne plus se souvenir du nom d'Israël. Alors, parmi les peu de signes qui restent à s'accomplir, en voici un ici, où il y a une espèce d'attaque qui se fera sur Israël. Peut-être que c'est justement ce qui est écrit dans le psaume 83, où plusieurs nations arabes autour d'Israël sont mentionnées comme voulant détruire Israël. Ou bien ce sera une frappe préventive d'Israël sur les installations nucléaires iraniennes, parce que depuis déjà quelques années, Israël annonce qu'il ne tolérera pas que l'Iran se procure les armes nucléaires, parce que bien sûr, l'Iran a déclaré publiquement que son premier client, c'était Israël, et que dès l'instant qu'ils ont cette bombe nucléaire, ils vont littéralement faire sauter
déjà, on a parlé en Israël de possibilité de frappe préventive sur les installations nucléaires en Iran. Alors, peut-être que c'est ça qui va déclencher cette catastrophe qui va se produire, ou bouleversement majeur qui va se produire au Moyen-Orient. Ou encore, c'est peut-être la fameuse bataille de Gog et Magog, comme nous appelons dans le jargon biblique, qui est décrite dans le livre prophétique d'Ézéchiel, dans le 38e chapitre, alors que vous avez la description d'une attaque surprise d'une grande puissance qui, selon Ézéchiel, est située au septentrion, c'est-à-dire à l'extrémité du nord d'Israël, dans le nord complètement, avec une coalition de plusieurs nations, dont l'Iran est le principal allié, qui, selon Ézéchiel, feront une attaque surprise sur les montagnes d'Israël, par justement la vallée de Bassan, qui est située dans le nord du pays. Et Dieu dit qu'à ce moment-là, c'est lui-même qui va intervenir par des fléaux naturels et va mettre un terme rapidement à cette attaque pour sauver Israël d'une plus grande catastrophe. Et évidemment, il ajoute, le Seigneur, que le monde entier saura qu'à ce moment-là, c'est lui qui est intervenu. Alors, nous pensons que c'est le meilleur moment pour cet homme, que la Bible appelle l'Antéchrist justement, de faire son apparition. Il va émerger soudainement au Moyen-Orient. Si c'est la bataille de Gog et Magog qui s'est produite, il va sans doute prendre le crédit de la victoire, parce que Dieu dit que le monde entier saura qu'il y a eu une intervention divine dans cette attaque-là, surprise. Parce que Israël doit un jour accepter cet homme comme son Messie. Évidemment, ce n'est pas le vrai Messie d'Israël. Le vrai Messie, il est venu déjà il y a plus de 2000 ans passés. Son nom était Jésus. Il va revenir à la fin de cette année de tribulation. Mais entre-temps, Jésus lui-même l'a dit. Il a dit, « Moi, je suis venu au nom de mon Père et vous m'avez rejeté. » Un autre viendra en son propre nom et vous allez l'accepter. Alors, c'est certain qu'Israël, à un moment donné, doit tomber dans ce panneau-là, accepter cet homme comme étant son Messie, mais en réalité, ce sera l'Antéchrist. Et si vous écoutez un petit peu les prédications des rabbins modernes, ben c'est le genre de Messie qu'ils prêchent de nos jours. Non pas un Messie aimant, et puis comme Jésus est venu, si, a parlé d'amour, a parlé que si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui la joue gauche, mais ils décrivent le Messie qu'ils attendent comme étant un homme de guerre, un guerrier qui va se pointer en Israël et qui va dire, bon, ben, c'est le temps pour Israël d'être en suprématie sur les nations du monde, et ainsi de suite. Alors, c'est le genre de prédication que nous entendons par la bouche de plusieurs rabbins en Israël et un peu partout également sur la planète. Et c'est exactement ce qui va arriver. Cet homme-là va se présenter comme un homme de guerre, quelqu'un qui veut donner une suprématie à Israël.